Brizeman, championne du monde, opposée à Blanco, l'Espagnol dont on connaît la combativité. Et tout de suite, Gébreski au CAN. Du monde, vice-championne du monde en 2007 et 2006, troisième du Croix de Paris. Face à Blanco, vice-championne d'Europe en 2004 et 2001, cinquième championne du monde en 2001. Pas très catholique. Qui arrive pas souvent. Ça ne tombe pas, ça truque beaucoup, mais ça marche. Regardez, là, ça travaille au sol, ça essaye de mettre du rythme. Et Gervais, impassible, tranquillement, dans cette finale. Elle va attendre de trouver l'ouverture, sûrement sur un contre, Gervais. Elle adore aller chercher les jambes à un moment donné, quand il y a la faute. Gervais qui a battu aujourd'hui la japonaise Ueno en demi-finale. On a vu tout à l'heure qu'on a vu Ueno. C'est pas battre par Signol, hein. ça n'a pas peur, ça ne pose pas de questions, ça essaye d'attraper la garde. Et Gévrise, kimono bleu, qui laisse venir. Elle est maligne, Gévrise, elle est forte en tactique. Grosse bataille de garde, évidemment, vous l'avez annoncé. On est en finale du Tour à Paris. Donc forcément, les athlètes qui se retrouvent là, c'est du très haut niveau. Oh là là, et voilà. On attrape la jambe, Ruchigari et le contre. Boum, boum, voilà. Et on essaye Ruchi derrière. Et ça marche. Et le premier coca. Et voilà. On commence à enclencher la comptabilité au tableau. Coca. Et tranquillement, qui va commencer à construire. J'ai l'impression qu'elle se tape souvent la côte du côté gauche. J'espère qu'elle va tenir. C'est pas blessé. Ouais, c'est un peu téléphoné, comme on dit. Hein. C'est-à-dire qu'il y a manque de préparation pour effectuer ce. Ah, c'est bien quand elle est enclenchée comme ça. Juste une petite parenthèse pour dire que Marie Pasquier, qu'on a été obligé d'un peu couper le combat parce que Teddy qui nous arrivait pour l'interview, a perdu face à la japonaise. Ah, pardon, bah, je me suis trouvé, elle menait, donc j'ai pensé que... Elle a perdu. Excusez-nous, je suis contrit. Moi, Iman, elle m'étonne. J'ai l'impression qu'elle ne souffre jamais. Ouais. Elle est là, on est à la mi-combat et puis tout va bien, elle n'a pas une goutte de sueur. Elle est très très étonnante. Elle a une préparation physique, une condition physique vraiment hors norme. C'est ce qui fait la différence, hein. Aussi. C'est comme Félicie. Voilà. Elle est maligne surtout parce que... Ah oui, les Teguruma, hein, c'est-à-dire qu'elle vient saisir directement les jambes. Oui. Ah ben voilà, voilà. Bon, c'est très bien payé, un peu généreux. Mais on s'en fout. Ah ben voilà, c'est comme ça. Regardez, on va voir au ralenti, c'est simple. Hein. Ouais. Ucci, elle tombe sur le haut du dos, mais ça roule pas absolument pas sur le dos. Il n'y a rien à dire. Gévrez Eman de mener un gros Wazari, un coca à une... Allez, 2 minutes de la fin. Et elle est encore à l'attaque, la championne du monde. Allez, ça marque. C'est parti de les 10 secondes suivantes. Parfait. Oh là 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 là. Vous voyez, même si ça chutait à l'extérieur, elle a démarré le mouvement à l'intérieur de la zone jaune. 12 000 personnes qui l'ont soutenue. Une magnifique victoire, les jeunes femmes qui se congratulent.